côté B. I got my money, du côté B. In 1847-1931 lived a man, a businessman, and an inventor. Thomas Edison, all his life, struggled with something. Struggling to invent, he had to try again and again, to no avail. Today we shall be talking about failure. Our theme is failure, a setback or a launchpad to success. We shall be finding out all through his life, did he succeed to get to what he was doing? Did he fail? What is failure? I am on the platform today with a new face, Mr. Tibogo. You're welcome to the NN Forum. Thank you, sir. Okay. So, you're here today not only to talk about failure, you're to talk about an association. What is this association all about? Green Life Act. Green Life Act. So what is Green Life Act? Green Life Act est une association des jeunes Camerounais qui font dans quatre domaines. Ils font dans la solidarité sociale inclusive, dans la protection de l'environnement, dans le développement local et dans la solidarité internationale. Ok, four aspects. Four aspects. So for how long has this association been existing? 3 years. 3 years. 3 years. Ok, so let's come back to our theme of today. Have you ever failed in your life? Yes, many. Many times? Many times. All right. Welcome you to this platform today with this piece of music. When we come back, we shall be talking about failure. Does it exist? What is failure? When we fail, how do we get out of the situation? All right. Welcome back. This time around, I want to put this question to you, Mr. Tibogo. What is failure? L'échec pour moi, c'est le fait de ne pas atteindre son objectif, le fait de ne pas avoir atteint les résultats escomptés. So, the moment you don't get to where you are going, we say you failed. Yes. Yes. I want to take the case of Thomas Edison, which I introduced just a while ago. Thomas Edison worked all through his life struggling to invent what we call today the lighting bulb. Speculation says he tried between 5,000 and 10,000 times without succeeding. Can we say Thomas Edison failed? Non, moi je ne pense pas. C'est pas la durée du temps fait dans le travail qui fait l'échec. Ok. C'est le fait de ne pas atteindre l'objectif. Okay. Vous pouvez passer tout un temps, 5 ans, 10 ans, mais si à la fin, votre objectif est atteint, on ne peut pas parler d'échec. Because this is what happened with Thomas Edison. He had to try different approaches, different materials, but it didn't work. Mm-hmm. So the question to you is, since you say failure is when you don't attain your objective, Let's presume that Thomas Edison, in his quest to invent the lighting bulb, did not succeed to get there. Can we say he failed? Je dirais encore ce que j'ai dit au départ. C'est pas le temps qui fait l'échec. Okay. Il est certes vrai qu'à un moment donné, il y a chaque chose doit se faire dans un timing précis. Okay. Mais si durant tous ces efforts, vous arrivez quand même à atteindre votre objectif, à mon avis, that's success. Vous avez réussi. But I'll tell you a story about this same Thomas Edison, because in his quest to invent the lighting bulb, he had a friend, Mallory. When Mallory got to know about Thomas's struggle, he said this to Thomas.
can't you see with the amount of energy and time you put into this thing, you don't have any result? And this is Thomas's response to Mallory. He told him, result, you mean? Man, I have got to know thousands of things that would not work. He did not succeed to invent the lighting bulb, though, according to him, he says, I have not gotten there, but there are thousands of things that I know will not work. Mm-hmm. Can't we look at it from that perspective? Even if he didn't succeed to invent a lighting bulb, he learned some other things. Can we consider that to be failure? Non. Non, à mon avis, ce n'est pas un échec. Parce que dans le processus d'invention, il y a un certain nombre de choses qui conduisent à l'invention. Okay. Vous pouvez ne pas atteindre peut-être la finalité qui est de mettre un produit final sur le marché, mais dans votre processus, vous vous rendez compte qu'il y a d'autres éléments qui permettent d'arriver à votre fin. Okay. Et si vous arrivez à les découvrir, à les mettre ensemble, je pense que vous avez fait un pas. All right. Vous avez fait un pas. Because the thing is, when we put this question to people, what they understand by failure, once you undertake something or something, you don't succeed to get what you want. We always tag it as failure. Mm-hmm. But I want to look at this from Thomas's perspective, where he didn't succeed to invent the lighting bulb, which he intended. But he learned many other things. Mm-hmm. He tried one material, the next material. He tried this approach, tried the other approach. It didn't work. To him, the fact that this material did not work, that's a success. I know that this thing cannot work. Mm-hmm. He tries an approach. It doesn't work. He doesn't look at it as failure, but he says, this, I have learned something. This approach cannot work. Mm-hmm. So can we actually say that the fact that you didn't attain the intended objective, that we can talk of failure? Mm-hmm. Oui, moi, je suis tout à fait d'accord avec Thomas, dans la mesure où l'objectif final est la somme d'un processus. Okay. Ça veut dire que si vous négligez les étapes pour arriver à votre objectif final, à mon avis, il serait mal pensé de croire que vous avez réussi. Right. Bon, prenons un cas simple. Un enfant qui, en fin d'année, a son diplôme, right, comme ça, mais qui n'a pas assimilé un certain nombre de choses tout au courant de l'année. Okay. Certes, il a le diplôme, sure, mais est-ce que les capacités liées à ce diplôme peuvent être capitalisées? Je ne pense pas. À mon avis, il a le diplôme, il a réussi. Yeah. Mais dans le processus d'obtenir ce diplôme, il a échoué. Which means, if I have to go by education, like he's saying, the fact that you succeed to have your certificate at the end of your studies, yes, does not define success. Yes, yes. Which means what you did all through the process, the aim is not the certificate, but to acquire knowledge. Yes. The certificate, yes, only comes to certify that you acquired the knowledge. But we, exactly, know that it is possible for you to have certificates without the knowledge. Exactly. Reason why we say exams are not the best test for knowledge. Yes. All right. Let's take this transition. We come back. When we come back, we shall be talking of when can we say someone has failed. Tivogo, it is true we have made mention of it when we're talking about the definition for failure. Yes, je me dis que l'échec, comme je l'ai dit au départ, ce n'est pas la finalité qui est, je peux dire, l'obstomum, okay, sur lequel, l'indicateur sur lequel nous devons mesurer l'échec. Il est certes vrai que c'est l'objectif. Okay. Comme je l'ai dit, yeah, de manière classique, échouer, c'est de ne pas atteindre l'objectif. Mais intégrons le fait que pour arriver à l'objectif, il y a tout un processus. Ce qui fait qu'on peut, tout au long de l'année, pour revenir au cas scolaire, nous sommes en pleine rentrée scolaire, okay,
vous pouvez obtenir votre diplôme, mais échouer le parcours. All right. But I want to put this question because there is this thing that beats my mind. Failure, does it really exist? L'échec existe. Ça, il faut le dire. L'échec existe. Okay. Mais avant de parler de l'échec, il faut revenir sur le point de départ. Je suis parti où et quelle est la finalité à atteindre? Et pour que j'atteigne cette finalité, quelles sont les étapes, comme on dit en anglais, step by step. Okay. Si vous arrivez à la fin alors que vous n'avez pas assimilé les différentes étapes, pour moi, vous avez échoué. Let me put this question to you. You are an engineer. You set out to build an aircraft. But in the course of building your aircraft, you succeed to come out with a car. Both of them will serve you for transport. Your initial intention was to come up with an aircraft, but in the course of developing your aircraft, another idea comes and you end up with a car. Can we say you failed in your effort to build your aircraft? I think no, because le processus qui nous conduit au montage d'un bus pour nous faire réviser notre façon. Okay. Notre façon. Ce n'est pas de se focaliser sur what you actually intend to do. Yes, sur ce que tu veux faire. Mais c'est de se dire, voilà l'objectif. Tout au long de mon processus, je peux, à un moment donné, me rendre compte que la façon de penser au départ ne coïncide pas avec la réalité locale. Okay. Pour moi, abandonner, c'est l'échec. Abandonner, c'est l'échec. Okay. Mais tant que vous vous engagez, vous vous dites, je vais le faire, ça peut ne pas être ce que vous avez pensé au départ. All right. Mais au finish, vous faites quand même. He just mentioned something which is of interest to me. To quit is failure. Yes. But that expression beats my mind. We may be quitting because at one moment we see that particular issue is not pressing. Maybe we are quitting to pick on another issue. That is to say, you start with something. Mm-hmm. Along the line, maybe you have an idea of some other thing. Mm-hmm. Maybe for one reason or the other, you push what you were doing aside and you continue with some other thing. Mm-hmm. There you've quit. You quit what you were doing. Mm-hmm. But the question now is, can we say you quitting at that moment is failure? No. Okay. Non. Pour moi, abandonner veut dire je me suis engagé à écrire un livre, prenons le cas. All right. Je vais écrire un livre sur l'échec scolaire. Okay. Je me rends compte que je n'ai pas assez de données pour écrire un livre sur l'échec scolaire. Alors, j'abandonne. Alors que j'ai d'autres éléments qui peuvent me permettre quand même d'écrire un livre. But at the end, you have a book. Oui, pour avoir un livre, mais pas sur l'échec scolaire. Okay, which means now you're defining, you're quitting, the context in which you quit. Mm-hmm. Actually, you set out to write a book. Your book is about academic failure. Mm-hmm. In the course of writing your book, you get to realize that there are some other things you could write on. You switch. You have not abandoned your book writing, but you have abandoned what initially pushed you to write your book. Perfect. So we'll be saying you failed in writing your book on academic failure, but you succeeded in writing a book, even though in a different domain. Yes, according to me, yes. Wow. Now, what we are saying here, those of you out there, we are not trying to say failure exists or it doesn't exist. When we talk of issues like this, it is left up to you to sit down, think about it, and ask yourself, I have tried this, I have tried that, I didn't get to where I intended. Is that failure? Did I quit? So let me come back to you again. You actually pick on something. You started. At one point you realize this thing is not working. You decide to pause. I don't want to say quit. You put a pause on it. But you don't have a specific time, you're coming back to it. Mm-hmm. And you pick on some other thing.
can we say you failed in attaining your objective? À mon avis, à ce niveau, il y a un problème. Okay. Parce que il faut, comme je l'ai dit au départ, une certaine finalité. Je veux écrire un livre. Okay. C'est la finalité globale. All right. Quel que soit le titre, je dois écrire un livre. Maintenant, pendant que je commence à écrire le livre, je me rends compte que je n'ai pas, comme je l'ai dit au départ, des données sur tel aspect. Ouais. Je laisse, je prends un autre aspect. À un moment, je me rends encore compte que l'aspect où je suis en train d'aller, je n'ai pas de domaine. Je fais comment? Je me replie ou alors j'abandonne les deux. Okay. À ce niveau, je pense que le leader ou alors la personne a un problème d'objectivité. Right. Parce que l'objectivité veut dire que on sait là où on va. And you know how to get there. Et on sait comment y arriver. Okay. Parce que si vous prenez ça, vous faites un mi-chemin, vous laissez, vous prenez l'autre, vous faites un mi-chemin, vous laissez, finalement, vous n'allez pas faire un livre. All right. Et c'est l'échec. And that's failure. I want to share my personal experience here, because you know, while in the university, I don't know about others, but generally it is we believe that there is always a course that is a nightmare. I had mine when I was in the university. You know, we did the module system where you had to validate your modules. There was this particular module where we had three courses. There was math statistics, math pure mathematics, and French. Mm-hmm. Now, we had an eliminatory mark. If you score a mark less than 7, that module cannot be closed. Yes. Now, I had my, it was 8, pure mathematics. Second semester, we had to do math statistics and French. Mm-hmm. 12.6 in math statistics, 12.8 in French. That closes the module. Mm-hmm. But I said, I can't score 12, and I'm hanging somewhere with 8. I went back to that course, and it took me down to 4. Mm-hmm. I struggled with that course all through until the last year I had my bachelor's degree. Now, if I have to present my transcript to somebody at this moment, the person is going to see, because at the end of it, I scored a 10.20. Certainly, what will be seen is success. I have passed my course. At the end, but I just didn't go for the course and I succeeded. I had to go through a whole a process to be able to close that module. Now, can we say I failed in pure mathematics? Because I wrote my statistics once and passed, wrote my French once and passed, but I had to write pure mathematics a number of times to be able to make it. Can we say that's failure? À ce niveau, je vais dire qu'il s'agit d'un objectif personnel. Okay. Parce que vous pouvez, personnellement, moi je peux dire que c'est un échec. Alright. Parce que vous n'avez pas atteint un minimum de 10, okay, qui est une moyenne. Mais vous pouvez vous dire que c'est la réussite parce que vous avez atteint, vous avez reçu votre certificat. Mm. Donc, l'objectif ici doit être déterminé par la personne. Le regard extérieur ne devrait pas en réalité modifier vos motivations ou alors influencer vos motivations. Parce que nous sommes à l'extérieur de vous. Nous, on ne connaît pas sur quoi vous êtes attaché. Peut-être que c'est les mathématiques pures qui constituent votre matière principale. Et que une fois que vous n'avez pas atteint ça, pour vous, vous n'avez rien fait, vous avez échoué. Okay. Mais pour le parent, vous êtes allé en classe d'examen, lui s'est dit que vous avez réussi, puisque vous avez atteint votre diplôme. Ok, now, if I have to come back to this, our Thomas, because Thomas had to try between 5,000 and 10,000 different approaches and different materials. Mm. But he ended up inventing the bamboo lamp. Today, all of us in our major cities, we enjoy the services of the electric bulbs. Hardly do we know how we came about.
Thomas had to go up to the point where he invented the bamboo lamp. Now, can we look at Thomas and say, Thomas, you tried, but you failed? Bon, mais s'il a commencé, il n'a pas atteint qu'aujourd'hui. L'idée qu'il a eue au départ s'est répandue, il a réussi. Ok. Il a réussi. Il a réussi. But he didn't actually come out with the electric bulb. He invented a bamboo bulb. Mais il a contribué par son invention. Now, his objective was not to contribute, his objective was to invent. Ça, c'est vrai. Okay. Ça, c'est vrai qu'il n'a pas pu réaliser son rêve de départ. Okay. Ça, c'est vrai. Mais est-ce que pour autant, on va dire qu'il a échoué? Moi, je ne pense pas. Okay. Je ne pense pas. Parce qu'il s'est rendu compte que entre continuer et mettre quelque chose sur pied, ou alors inventer quelque chose, et me résigner, abandonner, qui pour moi est l'échec, je le redis encore. Okay. Il a préféré aller de l'avant et atteindre un objectif, qu'on peut dire un objectif dérivé de ce qu'il avait en tête. Pour moi, ce n'est pas l'échec. Hein, en fait. All right, we come back to say, looking at our discussion, each and everyone will be able to define if a failure exists or not. To define what they think is failure, it now depends on what you actually define for yourself as objective. We take a transition. When we come back, we shall be looking at the causes of failure. Welcome back, televiewers. We must remind you that the NN Forum is a forum where we talk about the little things that can make a big difference in life. Mr. Thibault, I want to put this question to you. Why do we fail? L'échec pour moi dépend d'un certain nombre de paramètres et du couloir dans lequel on se trouve. Okay. Si on prend le domaine de l'éducation, un élève peut échouer par rapport à plusieurs facteurs. Le premier facteur pour moi qui dépend de l'élève, c'est de ne pas étudier ses leçons. Lorsque vous n'étudiez pas vos leçons, automatiquement vous allez échouer. Il n'y a pas de magie à l'école. L'élève peut échouer également parce que l'enseignant n'a pas su transmettre à l'élève ce qu'il devait transmettre. Parce qu'il y a une certaine pédagogie pour faire assimiler les enseignements à l'élève. Okay. Également, dans le domaine scolaire, l'élève peut échouer parce qu'il vit dans un environnement familial trouble. Ouais. Si le papa et la maman sont dans un contexte conflictuel, ça peut traumatiser l'enfant. Okay. Et avoir des incidences sur ses performances scolaires. Également, l'élève peut échouer pour un manque de concentration. Okay. Self-discipline. Oui, la discipline. Vous êtes intelligent à la maison, papa et maman, ça va. Mais justement, parce que vous n'arrivez pas à vous discipliner, à vous concentrer, vous ratez votre examen. Okay. Et un autre élément aussi dans l'échec scolaire, j'insiste sur l'échec scolaire parce qu'on est en pleine rentrée scolaire. Well, Mr. The context in which we find ourselves, we are obliged to talk more about academic success or failure, academic failure. So we'll keep coming to that. But it doesn't mean that it applies only to academics, because when we talk of self-discipline, whether you're a businessman, whether you're, I don't know what you are, so long as you're not self-disciplined, success can never come your way. Never. Yes. Never. Et un autre élément qui conditionne ou alors qui conduit à l'échec, c'est le comportement personnel. Okay. Ça peut renvoyer à la discipline, mais moi je préfère les séparer parce que un enfant qui ne respecte pas les aînés, un entrepreneur qui ne respecte pas ses collègues, qui n'écoute pas, qui est orgueilleux, qui est méprisant,
il est fort possible que son projet managérial échoue. Ok. Donc, il y a un certain minimum que nous devons nous, nous approprier pour parvenir à l'échec. Et moi, je suis traditionnaliste. Je suis de ceux qui pensent que la nature a des effets sur nous lorsque nous ne respectons pas un minimum. Ok. Insulter les parents, insulter les collègues, ne pas payer les salaires et vous vous prétendez réussir comment? Même la nature aura des sanctions contre vous. Hmm. So, to make a summary, we can say that there are some factors that can influence one's outcome. These factors can be internal or external. External. Yes. Exactly. Internal is what concerns you as a person. Yes. External concerns all those that are around you. Yes. The influence you have around you. Exactly. Internal, for example, self-discipline. If you are not self-disciplined, you can't be thinking of success. Never. If you have a negative attitude towards work, towards your studies, we don't expect success. Yes. All right. We are going to have a musical break. When we come back, we're talking about the most important part of this program, how to get out of that situation. Once you fail, how do you come out of the situation? Oh Lord have mercy. Mop the drawer like okra. My phone the purse like cobwebs. Mop the drawer like okra. I say mop the drawer like okra. My phone the purse like cobwebs. Ton discours ne me flatte pas. Tu me rappes pas comme ça oh. Ah ouais. Mon laine oh. Ah ouais. Où qu'on est tato. Ah ouais. Tu me rappes pas comme ça oh. Ah ouais. Me l'aime oh. Ah ouais. Où qu'on est à toi. Ah ouais. Non 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 non. Je ne suis pas ton bang bang. Non 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 non. Ton bang bang. Je ne suis pas ton bang bang. Non 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 non. Ton bang bang. Tu me rappes pas comme ça oh. You're welcome back to the NN Forum, where we talk about the little things that make a very big difference in life. Here, we motivate. Here, we inspire. We have been talking about failure. I want us to try to look at, once you fail, how do we get out of the situation? C'est vrai que l'échec, à un moment donné, peut nous conduire à deux choses. Okay. Soit on devient, on se résigne, on dit ok, moi j'échoue, je ne peux plus rien. Soit on prend l'échec comme un point sur lequel on doit s'appuyer okay. pour se rebâtir. All right. Voilà les deux situations que moi je vois. Reason why we have the theme of today, failure, a setback or a launch pad to success. Exactly. That is to say, your attitude determines what you become. Exactly. When you engage in an endeavor, it may lead you to success or failure. Mm-hmm. Whatever the situation, your attitude after that will determine what becomes following the outcome. Mm-hmm. Pour moi, si vous prenez, vous adoptez l'attitude de quelqu'un qui s'appuie sur l'échec et qui se dit, ok, cet échec, loin de m'affaiblir, me rend fort. Okay. Alors, première des choses, la question qui devrait vous animer, pourquoi j'ai échoué? Exactly. Pourquoi j'ai échoué? Yeah, because when you ask yourself why you fail, the next thing you have to do is you review the whole process. Exactly. And once you review the process, you begin to see, because there are two hypotheses here. Mm-hmm. When you fail, it is either you did something you were not supposed to do, or you missed out on something you were supposed to do. Yeah, exactly. Which means when you review the whole process, you should be able to identify what went wrong. So when you're starting again, you're trying to adjust that which you did not do, or that which you did, which was not supposed to be done. Only
will you get to success? If you have to do that, if you don't do that, you will have to take the process over again. Mm-hmm. You'd commit the same errors. Exactly. It would lead you to the same outcome. Because exactly. Personally, I don't always want to look at failure as failure, because we have a very negative mindset about failure. Failure in itself, that just the word failure is already a setback. Mm-hmm. Sometimes I want to look at it as a feedback. I have done something. What is the outcome of it? Once I know the outcome, is it satisfactory? If it is satisfactory, success. If it isn't satisfactory, mm-hmm. we begin to see what didn't work out right, then we do those adjustments. I want us to take another transition. When we come back, we shall be talking about an association, because that is why he is here. Green Life Act. Yes. We will get to know what Green Life Act is all about, what they are doing, and why they do what they do. Transition. On the platform today, Mr. Anisen Tivogo, the Secretary General of Green Life Act. Mm-hmm. Mr. Anisen, what is Green Life Act? Green Life Act, c'est une association de jeunes qui s'engage à promouvoir, en un mot, le développement durable dans nos communautés. Sustainable development. Sustainable development. Can we break that term? It is too high. Can we bring it down? What is sustainable development? Le développement durable, de manière simple, c'est un développement qui intègre les aspirations des générations présentes okay. et celles futures, okay. de manière basique. All right. Ça veut dire que lorsque nous voulons promouvoir le développement durable, nous devons intégrer non seulement les problématiques économiques, l'environnement, le social, l'aspect genre et d'autres éléments qui concernent notre progéniture. Okay. Ne nous limitons pas au temps présent, pensons à l'avenir. Okay, the future. Au futur. So, how do you get into that? You want to promote sustainable development. What are the activities you are into, which you think can actually get you going? La principale activité que nous menons et de manière pérenne à Green Life Act, c'est la sensibilisation. Okay. Nous pensons que le développement va avec un changement de comportement. Alright. Si les gens s'approprient certains principes, certaines valeurs, ils vont changer et le développement va suivre. Okay. Et aux côtés de la sensibilisation, les gens ont des problèmes. L'environnement ne doit pas être un slogan, protégeons l'environnement. Il faut bien qu'on aille sur le terrain. Nous, on collecte les bouteilles plastiques. Okay. On les collecte, on va dans le Fundi, on ramasse les bouteilles plastiques, on essaie de les valoriser pour construire des salles de réunion, pour apprendre aux enfants à faire des bracelets. Mmh. Ça permet qu'on montre aux gens que le déchet n'est pas seulement négatif. Okay. On peut capitaliser le déchet et avoir des cités yeah. propres. So, if I understood you, what you do is that you go down there and get the waste. Exactly. And you give value to the waste. Yes. Maybe we have a look, let's watch this video and see what they actually do. When we come back, we'll make some comments on the video. En Afrique subsaharienne et au Cameroun en particulier, l'urbanisation est hélas déconnectée de la croissance économique et induit des conséquences sociales et environnementales. En tant que jeunes leaders et changemakers, nous essayons à Green Life Act de promouvoir l'économie circulaire et de réduire les inégalités sociales conformément à l'objectif 10 du développement durable. Concrètement, nous sensibilisons nos confrères sur les valeurs de solidarité et de protection de l'environnement. L'un de nos principaux projets s'intitule Valise sociale. Il consiste à collecter les vêtements, chaussures, jouets et autres objets utiles auprès des personnes qui en ont en vue de les recycler et de les offrir aux nécessités, notamment les enfants de la rue et les personnes âgées dans nos villes et campagnes. Mais nous ne nous arrêtons pas à donner du poisson à ces couches vulnérables souvent abandonnées. Nous les apprenons également à pêcher à travers des sessions de formation au recyclage et à l'entrepreneuriat vert. Il ne tient qu'en nous
de faire des objectifs du développement durable une réalité par notre engagement social, par notre humanisme, au-delà même des politiques publiques. Au-delà du volet social et environnemental, Green Life Act, c'est également la promotion de la coopération internationale décentralisée, mais aussi des partenariats institutionnels constructifs avec France Volontaire, le RAVSI, le ministère des Affaires Sociales et les centres d'accueil agréés. Une famille de jeunes passionnés et déterminés à réaliser la vision d'un humanisme durable et de proximité. Voilà. Green Life Act, c'est également l'accompagnement des jeunes volontaires. Et dans cette perspective, nous avons eu le plaisir de recevoir du 4 au 8 juin 2018 le jeune Tchèque Al-Mustapha Mamadou Mustapha, élève en 4e au lycée Fustel-le-Coulanges, dans le cadre de la construction de notre chantier écologique. Entre écoute, partage et transmission de savoir-faire, le jeune Tchèque s'est véritablement imprégné des techniques de collecte, de tri et de recyclage des bouteilles en plastique. I believe in Africa. Cette expérience fort édifiante a permis au jeune Tchèque de sortir de sa bulle et de vivre pleinement l'aventure Green Life Act. I believe in Africa. I believe in Africa. I believe in Africa. I believe in you. Welcome back. I think Mr. Antivo, yes. Going through this video, something strikes me. We see you putting up a structure using plastic bottles. Where do you get the idea? L'idée est venue du simple fait que on s'est posé une question. Okay. Que faire des bouteilles plastiques? Parce que c'est une problématique qui est dans toutes les grandes villes camerounaises. Et on a commencé à réfléchir, les membres ont émis des idées qui venaient un peu de partout. Mais un de nos membres s'est dit qu'en naviguant sur le net, il aurait vu une maison faite à partir des bouteilles. Okay. Et on s'est dit, mais si d'autres le font ailleurs, why not you? Pourquoi pas nous? On n'avait aucune technique, okay. Ça il faut le dire. On ne savait comment faire. On s'est dit, ok, donnons-nous une semaine, venons chaque jour, on collecte des bouteilles. On essaye de voir, de les assembler, essayer de monter ce que ça va donner. Et je puisse vous rassurer qu'après une semaine, on a failli se décourager. Et ça allait être notre échec. You almost failed. Ça allait être notre échec. Mais on s'est dit, il faut continuer. Okay. Continuer, essayer de voir, partager les expériences avec les autres. Et finalement, on a trouvé une technique qui, à notre niveau, nous permet de montrer aux gens qu'avec les bouteilles, on peut faire quelque chose. So, did you ever ask yourself why the bottles are out there? Why is it that our streets are littered with bottles? Because just collecting the bottles to reuse them does not solve the problem. Exactement. Yes. Exactement, ça ne résout pas le problème. Mais on s'est dit, il faut commencer par là. Okay. Montrer aux gens que ces bouteilles qu'on jette peuvent être capitalisées. Okay. Parce que si on montre aux gens qu'on peut capitaliser ces bouteilles et qu'on encourage cette initiative, je vous rassure que dès demain, personne ne va plus jeter les bouteilles. Alright. Personne ne va plus jeter les bouteilles. Les bouteilles sont jetées parce que généralement, on n'a pas cultiver une stratégie de recyclage des bouteilles, tant au niveau des entreprises qu'au niveau des ménages. Okay. C'est pour cela que vous les retrouvez dans les rues, les rivières. Because we see whole streams that are littered. That is, you have the impression that the water that is supposed to flow in a stream has been replaced by plastic bottles. Exactement, c'est exactly the same. So you go down there, yes, collect the bottles, yes, in order to put up the structure we just saw on the video, in the video. Yes. All right, to do all of this entails some cost. Sans coût. So how do you finance your project? Je vais vous surprendre, monsieur le présentateur, en vous disant que jusqu'à ce jour,
et je mets tous les membres de Green Life à témoin. Les membres autofinancent leurs activités. Ok, no support from, no external support. Pas encore. Vivement, nous ouvrons des portes pour que ça arrive. Mais pour l'instant, on ne va pas croiser les bras. Il faut bien faire quelque chose pour notre pays. Right. Et on avance. So, tell me, if let's assume or let's presume that there is a goodwill, somebody of goodwill out there who would want to assist Green Life Act in what they do. How do they get to Green Life Act? Where are you situated? What are the contacts for someone to get to? Nous ouvrons la porte à toutes les âmes de bonne volonté qui peuvent nous contacter. Okay. Nous avons une adresse email. Mm. Si vous permettez, je peux la donner. You have the floor. L'adresse email, c'est Green Life Act en minuscule @gmail.com. Green Life Act @gmail.com. Green Life, one word. En un mot. One Green one Life word. Act. En un mot. Green Life, GreenLifeAct. Yes. @gmail.com. .com. Phone number? Oui, on a le 677 26 63 18. Okay. It is always a good thing for us to have people like this assisted. Those who have the means, if you can, you get to Green Life Act. Because, you know, we have to make sure they don't fail. Because he said at one moment when they started the project, putting up a structure, they almost gave up. I don't know what pushed you to carry on with your project, but we want to hope that somebody is going to come from out there and give you a bigger push so you can carry your project higher. There is also one thing I noticed in the video. You collect worn-out dresses, recycle them, and offer to the needy. Oui, c'est un autre projet qui à 95% succès à Green Life. Nous avons vécu une situation dans un quartier où je préfère dire le nom de la personne. Il a pris toute sa valise, il est allé jeter dans un bac à ordures des vêtements qui étaient encore en état et qui pouvaient aider des enfants de la rue, des orphelins, des personnes âgées. On s'est dit, mais pourquoi ne pas mettre en place une stratégie où nous, on lance des appels, celui et on ne se limite pas aux habits. Okay. On collecte les habits, les chaussures, les livres, les cahiers, les télés, tout ce que quelqu'un peut estimer utile. Okay. Et au lieu de les mettre dans un magasin où ça va se gâter, mettez à notre disposition et ça pourra servir. So where is Green Life Act situated? Green Life Act est situé à Elikesono, au niveau du commissariat qui est juste à côté de la gare marchandise. Okay. Et vous verrez là notre bâtiment avec des bouteilles. You have a signboard? Yes, il y a toute une salle qui est en train d'être finalisé avec les bouteilles plastiques. Ah, okay. So, ladies and gentlemen, I think this brings us to the end of today's edition of the NN Forum. Remember, you have to follow us on Facebook, the NN Forum. Follow, like, and comment. Whatever thing we say here, you can write to us, nc.nnforum@gmail.com. Or you contact us through the number 677-07-9375. Stay blessed. See you next Saturday, 6 p.m., 7 p.m. Sur les valeurs de solidarité et de protection de l'environnement.